Oh non. Je veux pas foutre à poil. Oh non, mais non, mais non, c'est nul en vrai ce jeu. Mais non, moi j'assume pas en plus. Oh là là, Fildrong, il est trop sexy. Avec son torse musclé et ses poils virils, j'ai envie de faire des trucs lolem des RPTDR. Salut à tous, c'est Fildrong, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Insurgence. Et vous pouvez constater que je suis habillé comme si, eh bien, on était en plein hiver. Et c'est tout simplement parce que vous avez choisi que à chaque fois que je perdrai un Pokémon aujourd'hui comme défi, eh bien, je vais devoir enlever un vêtement. Et comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode, le champion d'arène risque d'être très compliqué parce qu'il a un méga métallos et que, je sais pas le passer. Du coup, je suis un peu dans le caca, donc je sais pas trop comment je vais faire. Alors, je vais essayer des techniques. J'ai de quoi wiper une fois, c'est ça que je me dis. On va essayer de passer avec Anus et la méthode classique de la plénitude, parce que ça passe pas sinon. Hein. Est-ce que j'ai de quoi me soigner? Voilà, oui, j'ai largement de quoi me soigner. Ok, c'est bon. Bon, allez, on y va. Well, regarde qui c'est. Le héros qui a détruit le culte abyssal. Je dois admettre, c'est très impressionnant. Tu as mes remerciements. Lugia est parti après que Audrey a disparu. Vous vous rappelez, un Kyogre a bouffé Audrey. C'est horrible. Tout semble bien, mais maintenant on va jouer. Ouais, voilà. Mon nom est Anastasia, blablabla, style électrique, blablabla. Je suis pas du tout aligné face à toi, meuf. Bon, alors, l'idée, c'est... On va se setup. Histoire de pouvoir se faire Metalos facilement. Voilà. Par exemple, il a Swagger. Oh, ok, c'est tout, c'est bien. Allez, j'y slash, ça va. Ça revient au même. Oh putain. Shadow Ball va pas m'infliger. Sauf s'il met un crit, évidemment. Sauf s'il met un crit. Voilà, petit coup critique, bien cool. Allez. J'ai pas envie de perdre de Pokémon. J'ai pas envie de me foutre à poil sur YouTube. Sinon, ça va être très très mal pris des gens. Oh mon dieu. Putain. Allez. Je veux pas mettre setup pour rien, ça m'énerverait trop. Ok. Merci. Ok. Allez, je crois que c'est l'heure de mourir maintenant. Ah non. Allez, Psycho Boost, non, Moonblast, c'est ce qui fait le moins mal. Ah voilà, Mega Metalos. Les mecs, si j'arrive à passer Mega Metalos, j'ai peut-être une chance. Oh, il a raté son attaque! Oh oui! Oh, Karma the bitch! Ok, ok. Il faut qu'Anus puisse tanker une attaque. Oh putain. Ah, oh, je dois enlever un vêtement. Je commence avec le bonnet parce que ça tient chaud. Oh non! Non, je vais me foutre à poil! Allez, chien, je tiens un séisme! Oui, il a tenu un séisme! Oh, j'ai eu trop peur. Oh oui, j'ai passé le méga métallos. Motisma, Allez, Cleaver. Oh, c'est Motisma chiant. Attends, il est fantôme ou il est électrique? Oh, je sais pas moi.
Bon, j'espère qu'il est type électrique. Ah, je peux pas méga évoluer de toute manière. Ok, il est PC. Allez, close combat. Ouh, l'hydrocanon. Tue-le. Voilà, tu l'as tué, c'est super. C'était bien un type... c'était pas un type ghost. Magnézone. Je suis plus rapide que Magnézone. Je suis plus rapide que Magnézone, c'est sûr. Enfin, je crois. Sauf s'il investit. C'est bon, allez. Non. Stordy. Non. Non. Non, je suis mort. Non, j'enlève mon écharpe. Pour l'instant, ça va. J'ai encore un peu de marge, mais pas beaucoup. On est 3 minutes dans l'épisode et je suis déjà presque mort. Est-ce que j'ai des revives? Non, j'ai pas de revive. Je peux pas utiliser Jean Hubert parce qu'il va mourir comme une merde, je sens. Oh putain, il m'a baissé ma défense spéciale. Je veux pas finir à poil. Electivire, c'est son dernier. Ok, Jean Hubert, j'ai besoin de Jean Hubert pour baisser les points de vie. Il a un ballon aussi, en plus. Ok, Moonblast, c'est ce qui fait le plus mal. Allez, tu peux tenir. Allez, Jean Hubert, s'il te plaît, me déçois pas. Voilà. Ah, il va mourir aussi. Mais je m'en fous, parce que j'ai un pull. Ah, mais habituez-vous à mon torse, parce qu'à mon avis, il me reste une chance, là. Ok. Ok, j'espère que je peux tenir un séisme. Ah putain, je sens que je peux pas tenir un séisme. Je veux pas perdre. Je sais voler et soigner mon Pokémon. Non, 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 pas double team. Bon, attends, il faut quand même que je soigne mon Pokémon. Il va me tuer là. Ok. Non, j'enlève mes chaussettes d'abord. Ah mais non, j'ai à avoir froid aux pieds. Ah oh mais non, mais je veux pas être torse nu. Oh putain. Mais non, j'enlève mes chaussettes. Je vous le prouve. J'enlève mes chaussettes. D'abord j'enlève mes chaussettes. Putain, il me reste que 3 vêtements. Il me reste que 3 vêtements. Ok, bon, je suis soigné. J'ai juste à mettre une tellurie force. Ok, j'ai raté la première. J'ai mis la deuxième. Yes. Ouh là, c'était sérieux ce match. Ah mais je vais avoir froid aux pieds, putain. Non. Je l'ai eu. Ouais. C'était une super bataille. C'est vrai que c'était une des plus serrées. Le badge circuit. Thunderbolt. Oh, trop bien pour Nidoking. Oui. Oh, il va rentrer dans la boîte. Quel est... Oh non, mais ils ont tous des coupes de merde. Lui, il a une coupe au bol. Après, la queue de cheval, la coupe au bol, c'est quand même... C'est moins pire qu'une queue de cheval, hein, évidemment. La queue de cheval, c'est... Tu n'es pas humain, hein, concrètement, si tu portes une queue de cheval. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont des queues de cheval qui sont là. Je parle des mecs, évidemment. Hein. Je sais que les filles qui avaient des queues de cheval, ça va. Je vous tolère. Mais alors, les mecs qui ont des queues de cheval, putain, mais respectez-moi, quoi. Ok, Taen, ton travail est fait. Je m'en lave les mains. Je ne veux pas être prise dans cette histoire de culte et tout. Ok, d'accord. Oh non. Wow. 1 million de dollars a été donné à ton Pokébank account. Il va pouvoir s'acheter 2 super potions. C'était la fin. Maintenant, montre-moi l'habit. Oh, il a fait un habit. Moi, je suis là, hein, il y a... Wow, c'est une armure. Wow, il augmente les stats défensifs de l'arme. Wow, on dirait Cleaver. Ah non, c'est pour Zekrom. Ok. Ah là là, ils ont déjà récupéré Kurem. Ils vont essayer de récupérer Zekrom. Oui. Wow. Tu as capturé 2 Pokémon légendaires. C'est pas grave.
Beaucoup de Master Ball. Ah, les autres cultes, ils demandent s'ils veulent venir. Alors, du coup, ils ratent tout le temps. Et puis, eux, ils les capturent. Voilà, une Pokéball forte est plus efficace que demandé, évidemment. C'est vrai que si tu devais demander à tous les Pokémon, t'imagines si t'étais genre en mode Undertale activé. Tu sais, Pikachu, j'aimerais bien que tu viennes dans mon équipe et que tu vives dans une petite boule de 10 cm de largeur. Anastasia, hey! Orion, fifou, qu'est-ce que vous faites là? Comment tu es rentré? Orion, c'est le leader feu, hein. Le premier gym leader. C'était pas gardé. Pourquoi es-tu là? Tu ne devrais pas gérer ton arène? Je suis venu parce que mon ami me l'a demandé. Reshiram! Oh, c'est Reshiram son ami! Je ne sais pas ce que tu veux, mais tu ne mettras jamais tes mains dessus. Non! Jamais! Je commence à avoir froid, j'aurais dû garder mon pull, mais je peux pas. Zekrom! Ouah, Zekrom dans son armure! Bah oui. Il l'a pas rejoint. Il l'a capturé. Tu es un monstre! Mais toi, tes Pokémon, tu l'as pas capturé, abruti de mec à mèche jaune, là! Allez. Non, 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 non! Non! Je veux pas combattre. Non, je veux... Zekrom. Non, Reshiram, il s'est fait défoncer. Ah, il a volé son Reshiram. Ah non, non, mais putain, j'ai rien demandé, moi j'étais tranquille, non. C'est ça ton Pokémon? Ok, j'ai aucun scrupule à faire la technique de la plénitude là. Non. Il a tenté le focus blast. Adieu. Oh, t'es tellement mort. Oh, t'es tellement mort. Luxray. Oh, oui. Oh, Luxray, t'es tellement... Oh, avec le Flame Orb qui proc au premier tour. Ce qui est complètement illégal. Hein? Non, c'est... Il faut un tour. Oh, oui, bah non. Ah! T'es tellement handicapé comme Pokémon. Allez. Ramène ton... Oh, mon Dieu, j'ai peur. Tiens! Alors, c'est qui le plus fort entre Mega Anus et Dracaufeu? Ah, voilà Zekrom. Ok, Moonblast. J'étais même plus rapide que toi. Anus! Kurem! Genre, je me sens limite mal en fait. Je me sens limite mal. Mais non, en fait, je me sens pas mal. Le mec, il me défie avec son Kurem en armure là. Hein? Prenez-en de la graine, les mecs. Y'a rien de plus fort. Mais c'est même pas... Non, en fait, c'est même pas une question. Là, en fait, sa team se faisait défoncer de base. C'est même pas une question de plénitude, là. On est bien d'accord. Parce que dans les faits, j'ai pas pris d'attaque. Il m'a même pas attaqué. Donc, le boost, il servait à rien. Et en fait, le truc, c'est que comme Mega Anus a le truc qui lui augmente son attaque spéciale quand il tue un Pokémon, j'aurais de base fait super mal. Ça monte... Cette armure a du potentiel, mais ce n'est pas complet. Tu penses je t'ai one-shot avec un seul Pokémon? Ah là là. Eh non mais attends, je t'ai battu, tes Pokémon sont KO, tu me rends les trucs là, tu me donne-moi Zekrom là. Perfection, oh là là. Selene City, ok. Mais j'ai niqué ces Pokémon, pourquoi il rend pas le Reshiram? Et lui, il part, allez, il veut pas l'abandonner. Et toi, t'es une salope. Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'armure pour les gens.
Si tu t'allies avec les... Oh, je savais pas que c'était un cultiste. Je veux que tu fasses une armure pour un Pokémon légendaire. C'est sûrement pour faire le ménage. Putain. Bon, allez les mecs, j'ai entraîné Jean-Hubert. C'est la rédemption. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la rédemption de Jean-Hubert? Let's go. Moi, je pense qu'on va avoir la rédemption. Voilà, allez. Courage, Jean-Hubert. Tu n'es pas... Ce n'est pas la mort. Je t'ai entraîné exprès. Ok. One shot. Ok. Il a gagné tout seul contre le dresseur. Il a gagné tout seul contre le dresseur. Jean-Hubert, c'est bien. Mais faut que tu fasses un petit peu plus. Voilà, regardez les dégâts. Il a des super dégâts. Voilà, regardez. Voilà. Voilà. Il est énorme, il est très très bien. Il est très très bien. C'est bien, Jean-Hubert. Je suis fier de toi. T'es Pokémon Psy. Oh, Pokémon Psy. Oh ouais, Alakazam contre Jean-Hubert. Il a fait trick. Eh, hey, il m'a pris mon Lucky Egg. Salaud d'Alakazam, va. Heureusement que je l'ai one-shot, hein. Ah, c'est bon, on est bien. Jean-Hubert et moi, maintenant, c'est l'amour entre nous. Vous êtes tous des jaloux. Tiens, je vais le faire monter d'un niveau de plus. Regardez ça. Easy. Il tente les attaques dragons, je suis immunisé. Hop. Voilà, niveau 68. Alors, qui ose mal parler de Jean-Hubert? Les mecs, comment on a pu vouloir l'abandonner? Oh, des petits Yeledel. D'accord, il y a un safari. Hop. Oh, what? Je me baladais, je suis passé d'un escalier et maintenant, il y a un Zoroark qui est apparu et maintenant... je suis collé à mon Pokémon avec mon caca et 3 petits points. Est-ce que tu es bien? Ne panique pas, je suis là pour parler. Tu es devenu une légende dans le culte de Darkrai. D'accord, Perséphone, la chef, a placé un grand bounty sur ta gueule. Tout le monde essaie de te trouver, je ne suis pas intéressé. Tu te rappelles que tu t'es échappé de la base quand Darkrai a été invoqué? D'accord. Ah, c'est lui, c'est celui dont j'ai empêché le sacrifice au premier épisode. D'accord. D'accord. Je ne serais pas surpris si Rayquaza sauvait East. Perséphone et Darkrai ont des buts complètement différents. Elle ne veut pas dominer le monde. Elle veut la revanche. Et tu as besoin de l'arrêter. Ok. D'accord, elle trouvera un moyen de contrôler... De contrôler quoi? De contrôler un autre légendaire? Et en plus, là, la couleur change. D'accord. Toi et ta copine à cheveux verts, donc Nora, on avait vos propres raisons. Ok. Ah, c'est le secret pour... oula, il y a toutes les histoires qui se rejoignent, là. Le fils d'Audrey, on peut pouvoir le soigner. D'accord. D'accord, toi et Darkrai, vous avez sûrement le même but. D'accord, magnifique. J'ai tout compris. Y'a pas un truc où je peux plonger, là? Ah, mais si! Oh, une grotte! Oh, j'ai trouvé un secret. Les mecs, j'ai trouvé un secret. Wouh! Il y a une note de musique! Tais-toi. Il faut faire 1, 2, puis 3, 4. Je crois que je me rappelle comment on fait. 2000 years later. Ok.
je crois que j'ai compris. Oui! Oh putain, les mecs! C'était le même puzzle, mais. J'en ai trop chié! Cette fois, parce que je l'ai fait sans aide. À quoi ça sert de faire ça, honnêtement? Oui, super, merci. Oh. Oh. Oh, trop bien! J'ai trouvé. Oh! On sait tellement ce qui va se passer la semaine prochaine, les mecs! Il faut pas que je le tue. Bon, alors après recherche, il est de type vol. Donc si je fais une attaque comme ça, ça devrait pas le tuer. Voilà, super. Magnifique. Oh putain, on va avoir un tellement beau Pokémon. Vous savez ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer, je pense. Je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Ah ouais. On va l'appeler Malinois, parce qu'il est malin, mais en même temps, il est malinois, tu vois. Allez, Malinois, c'est parti. Je pense que vous savez déjà ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, les mecs. Coucou. T'es tellement mort. Maintenant, j'ai Jean Hubert, là, c'est... J'ai Jean Hubert en mode PGM là. Et Jean Hubert il peut plus rien lui arriver. C'est genre c'est fin du game là. Il est invincible. En fait il en a eu marre qu'on lui parle mal. En plus il a vu qu'il avait failli le virer. Du coup il était genre ouais non ça se fait pas. Et puis regardez ça. C'est fini. Honnêtement c'est fini. T'es tellement mort. Il est trop fort. Easy. Non. Oh non. Putain, Jean-Hubert, je te faisais confiance, bordel. En même temps, voilà les dégâts que j'inflige. Florge, ça va? Oh non! Je dois enlever mon t-shirt! Jean-Hubert de merde! Moi qui lui faisais confiance, je lui ai fait prendre 5 niveaux de plus que les autres! Et il est même pas foutu! Ta mère, Jean-Hubert! Oula! Oh non! Je veux pas foutre à poil. Oh non, mais non, c'est nul en vrai ce jeu. Mais non, mais moi j'assume pas en plus. Mais non, mais c'est nul. Je me mets comme ça, je m'en fous. Merde. Ta gueule, Jean-Hubert. T'es vraiment un salaud, hein. Je déteste ce Pokémon. Pourquoi je l'ai? Casse-toi, tiens. Ouais, en plus, il est niveau 69 et puis moi, je suis à poil. Ah. Et Fildrong, t'es niveau 69 et... Fuck! Je lui ai donné tout, je lui ai tout donné, il arrive à mourir. Oh, alors toi, t'es mort. Voilà, Nidoking, il fait plus le taf, hein. Ah oui. Aurorus! Vous êtes tel... Non, fais attention quand même, hein. Wow! Ultra laser. C'est un peu nul, ultra laser, quand même, hein. Je passe sous le truc, mais ça ne sert à rien. Je crois qu'il allait se passer quelque chose, alors du coup j'ai soigné mon Pokémon, mais pas du tout en fait. Oh, regardez une pierre. Je crois que c'est... Mais oui, c'est la pierre de la pierre d'Evoli. Observe.
J'observe surtout que... Oh, il a copié mon Telluriforce. Trop mignon. Trop mignon, mais mort quand même. Oh, il s'appelait Picasso, le mec. Lol. Wow, qu'est-ce que c'était? Wow, je marche sur le feu, ça me téléporte. Magnifique, une ville de psycho. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je me suis retrouvé à poil. Donc finalement, vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez, bande de petits coquins. Et puis, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, sur laquelle je fais plein de trucs cool. Et puis, en attendant la prochaine, moi, évidemment, je vous dis tchuss.